Yay boy, level man. Et là, on est là pour un concert de Souleymane Mbodj. C'est un chanteur et un conteur sénégalais. Et on fait ça dans le cadre d'une saison africaine, donc de septembre à décembre. Toute la médiathèque, toutes nos animations, toutes nos présentations sont aux couleurs de l'Afrique. Il y a longtemps, très longtemps, un roi se prenait pour Dieu. On l'appelle le roi et le génie, cette histoire. Bon, alors, je m'appelle Souleymane Mbodj, je suis né au Sénégal et je vis à Paris depuis de très longues années, depuis très très longtemps, comme on dit dans les contes. Je vis à Paris, je travaille à Paris et puis je suis conteur, musicien et auteur. Je suis tellement belle, il me faut un homme par... Oui. Le père lui dit, mais ma fille, c'est quoi un homme parfait? Ah, ils sont moqueurs, hein, les enfants. Je pense qu'on devient conteur uniquement en aimant les contes, en aimant la lecture, parce que j'ai toujours adoré lire, et surtout raconter des histoires. Et comme j'étais musicien, j'ai appris la musique avec les histoires. C'est-à-dire que comme c'était la musique orale, quand je commençais à jouer du djembé, chaque rythme avait une histoire. Ah. Alors, comme il y a des petites oreilles et des grandes oreilles, nous allons partager nos histoires. Il y aura des contes de sagesse, mais est-il sage d'être sage? Il y aura des contes philosophiques, des contes initiatives, des contes et des contes. Et arrivé dans la forêt, il redevient serpent. Il enferme la princesse dans une case et lui dit, tu voulais un homme parfait? Ben, je suis un homme parfait. Et tu vivras avec moi. J'irai à la chasse tous les jours. Mais le jour où je n'aurai rien à manger... Alors, on a déjà commencé par un grand vernissage avec toutes les associations africaines de Metz. On va poursuivre en octobre avec un concert de Ngoni par Abou Diarra, qui vient du Mali. On va aussi faire un apéro littéraire avec des présentations d'ouvrages sur l'Afrique, CD, DVD, bandes dessinées. Et on va aussi faire des activités manuelles autour du tissu wax. Approchez, jeunes hommes! C'est la première fois que je viens ici, mais j'ai déjà travaillé dans des quartiers similaires dans la région parisienne. Et donc, c'est des lieux de mélange, c'est des lieux d'accueil, c'est des lieux de métissage culturel. Donc, moi, ça me va bien.